bienvenue à tous sur le multimédia.info. Aujourd'hui, nous sommes au Montreux Comédie Festival pour la 28e édition. Ce soir, il y a un gala, celui de Thomas Wiesel et Fary. Et pour l'occasion, on va avoir une discussion assez spontanée, naturelle, avec trois humoristes du gala. Alex Vizorek, bonjour Alex. Bonjour. Jason Brokers. Bonjour. T'as ça à dire Fary. Non. Non, pas du tout. Tania Dutel, bonjour Tania. Bonjour. Est-ce que déjà ça va bien? Est-ce que l'accueil se passe bien à Montreux? Ouais. Tout va très bien. Ok, pareil, j'enchaîne. Pareil. Ce soir, donc, il y a un peu une ligne sur le gala. En tout cas, c'était celle que voulait Grégoire Führer quand il a annoncé le programme. C'est d'un côté Fary qui est hyper stylé vestimentairement parlant et Thomas qui est beaucoup plus simple. Est-ce que ce décalage... C'était vraiment ça la base du gala? Ouais, c'était qu'il y en ait un qui soit mieux habillé que l'autre? Ouais, je savais pas. Je sais pas dans quelle équipe t'es. J'ai ma petite idée quand même. Hein. J'ai quand même ma petite idée. Hein. En effet, c'était annoncé comme ça. Alors, c'est une formulation qu'a choisi le président du festival. D'accord. Pour représenter ça. Jason, première question. Vous qui avez bien connu... en fait, vous connaissez bien les deux. Et Thomas et Fary qui sont de vos proches amis dans le milieu. Comment vous voyez cet écart de style pour ce gala? Moi, je pense pas que ça soit ça soit si important que ça, la manière dont on est habillé sur scène. Parce que Thomas est aussi drôle que Fary, voire plus. Alors qu'il est mal habillé. C'est vrai. Hein. Non, c'est possible, c'est à dire. Le vêtement du stand-upper a évolué avec Fary. C'est ça. Il y a eu. Il a apporté quelque chose. Ouais, les autres se sont dit, ah, on peut s'habiller. Ouais. C'est ça. C'est pas interdit. Sauf Thomas. Thomas, ouais. Il s'est dit, on peut continuer à mal s'habiller et avoir des lunettes alors qu'on n'a pas de problème de vue. Tu n'as pas de problème de vue. Au-delà de l'aspect vestimentaire, c'est aussi deux amis qui se retrouvent sur scène. Ils vous ont aussi tous choisi les uns les autres parce que vous êtes quand même une espèce de fratrie, si j'ose dire. Moi, j'étais pas libre les autres jours. Et donc, en fait, c'est par défaut. C'est parce qu'en fait, il m'a obligé à faire du stand-up. Moi, je déteste cette façon de faire. Parce tu que, le fais si bien. On va voir. C'est là moi, normalement, je projette des trucs un peu plus théâtral. Et là, il m'a dit, non, mais personne n'a un écran. Si tu pouvais ne pas en prendre non plus. Et j'ai bien aimé le défi. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Ça veut dire que c'est un sketch inédit écrit pour le festival. Alors, j'ai pris 2-3 morceaux de choses que je savais qu'ils fonctionnent dans mon spectacle. Et j'ai quand même enrobé dans pas mal de trucs. Je suis incapable de vous dire ça a marché. Mais je trouve ça sympa de changer, de prendre un peu de risque. Alors ici, on est en Suisse. Nous sommes un pays où le français est une langue minoritairement parlée. Et dans la francophonie européenne, nous sommes très minoritaires. Ce qui fait qu'on connaît bien le cinéma, la radio, la télévision française. Et on a souvent l'impression que l'inverse n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez un peu bien la Suisse? Pas du tout. Moi, j'y suis venu plusieurs fois, donc oui. Aujourd'hui, je peux dire que oui, et j'aime la Suisse, à chaque fois que je suis venu. Plutôt pour jouer? Pour jouer, ouais, je sais pas. Pas en vacances, non. Faut pas exagérer, mais... Là, Clément, l'été, c'est une tuerie. Non, moi, j'aime beaucoup la Suisse. Et moi, je suis pour relier la francophonie parce qu'il y a des belles choses partout. Je reviens du Canada et il y a des belles choses en humour ou même de manière plus générale. Et moi, je suis vraiment pour l'unité. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas de... Pas assez. Il y a peut-être des chaînes suisses, mais c'est peut-être sur le câble et il faut avoir accès à ces chaînes-là. Ils arrivent, les humoristes, hein, Marina. Ah oui, bien sûr, les humoristes, ouais, mais je crois que... De la Suisse. Je crois que tu parlais du côté public, en fait. Ouais, ça, c'est pas encore développé. Vous qui êtes belge, d'ailleurs. Je comprends très bien la question parce que j'ai la même chose avec la Belgique. C'est-à-dire qu'il y a plein de programmes et d'humoristes qui ne dépassent pas la frontière. Et moi, je suis venu... Le premier prix que j'ai gagné, c'est le prix François Silvan. Donc un prix local. Qui est une énorme star en Suisse. Il est décédé. Pourquoi d'en faire un prix? Oui, il est décédé. Je me suis renseigné. Et donc personne, enfin moi je savais pas qui c'était, maintenant je sais très bien. Mais il est inconnu au bataillon. Mais c'est vrai que le français est très peu intéressé par la Belgique ou la Suisse ou le Québec. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que ce soit le Québec, la Suisse, la Belgique, ils sont très au courant de ce qui se passe chez nous. Et l'inverse n'est pas vrai, et moi je trouve ça un peu dommage. Ouais, on est un peu les Américains de l'Europe, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors concernant la Suisse, pardon, Coluche avait une vanne qui disait « Est-ce que le communisme peut arriver en Suisse? Sûrement pas, c'est un trop petit pays pour un aussi grand malheur. » Petite vanne pour introduire la question. Qu'est-ce que vous pensez en fait des différences politiques, si vous les connaissez un petit peu, entre la Suisse, la France, et puis on peut ouvrir sur les autres pays de la francophonie? Question géopolitique.
Moi, j'aime assez bien l'idée du fait qu'on doive voter, de vos votations. Là. Donc, ouais. Je trouve ça pas mal le côté de démocratie directe. Ça concerne un peu les gens, mais enfin, en tout cas intellectuellement, c'est censé les concerner. Et je pense que dans les faits, c'est pas toujours le cas que toutes les votations n'intéressent pas vraiment tout le monde. En revanche, moi, sur les pays où les gouvernements sont mixés, je vois très bien ce que c'est aussi, parce qu'en Belgique, on a ça. Par contre, il y a un peu plus... Donc vous dites, pardon, juste pour préciser pour les spectateurs, c'est un mélange de partis qui gouvernent, c'est ça que vous voulez c'est dire ça, c'est ouais. ça. Et en France, évidemment, ils ont... Alors, Macron a un petit peu fait ça par défaut, mais ça reste quand même la stature du président que nous, on n'a pas, que je crois que vous n'avez pas vraiment non plus. En plus, non. Il est tournant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un gros attachement du Suisse à ses politiciens. Pareil pour le Belge, et voire même nous les Belges, on connaît beaucoup mieux la politique française parce qu'elle est beaucoup plus personnifiée. Oui, c'est ça, en France, c'est plus des visages et des noms que des partis. Et puis un côté ici, c'est vraiment des partis avec des hommes forts, soit, mais c'est pas ce qui prédomine. On parle politique là ? Ouais, on parle de politique en effet. Est-ce que ça t'a semblé juste une bonne réponse ? Est-ce que vous comprenez ? Enfin, moi, j'écoute. Non. Politique. J'écoute. Je suis ni déçu, moi je suis journaliste, je vais leur poser quelques questions et voir ce que vous avez à dire. Tu voulais nous emmener sur une piste et tu t'es dit avec ces deux cons là, ces trois cons là, on va pas y arriver. Mais est-ce que ça vous inspire aussi un peu les sujets politiques à l'étranger pour vos vannes d'ailleurs ce soir? Je suis obligé. Ouais, c'est vrai. Non, mais l'actualité générale, je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'ouvrir le journal et d'avoir 10 vannes à faire le matin. C'est même un exercice intellectuel plutôt agréable. Donc oui, j'essaye de lire un peu tout et de me tenir au courant un peu tout. Maintenant, il y a plein de sujets où je trouve que je ne suis pas assez informé. Pourtant, j'ouvre le journal. Mais sur la problématique des Rohingyas, par exemple, j'ai l'impression de ne pas être au top. Je ne peux pas faire une grande conférence sur le sujet. Et je devrais parfois approfondir les sujets. Si on peut reprocher quelque chose à un humoriste, c'est parfois de ne pas approfondir assez les sujets. Maintenant, normalement, on est censé avoir... Moi, je dis qu'on doit être un peu plus informé que la moyenne. Comme ça, on peut faire des vannes sur les trucs, mais sans les perdre. Je suis d'accord. Donc c'est un gros travail aussi de recherche un petit peu ? Oui, parce que la scène, ça nous permet de raconter le monde qui nous entoure de manière drôle, soit, mais c'est ça. Le rôle même du stand-upper, c'est de raconter ce qui se passe dans ta vie ou dans celle des autres, mais c'est vraiment de raconter ce qui se passe. Donc effectivement, l'actualité, ben, c'est juste notre quotidien, c'est notre environnement, donc on se doit d'en parler. Ça fait partie de notre job et notre responsabilité. Ouais, mais c'est quand même un exercice difficile et on sait que les blagues d'actualité, moi en tout cas, j'ai plus de mal à les faire parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir les garder longtemps. Moi, je préfère partir sur des blagues plutôt de société, de choses qui vont plutôt durer sur le long terme, alors que les blagues d'actualité, au bout d'une semaine, déjà, c'est plus d'actu. Donc c'est... En tout cas, moi... Mais toi, t'es à la radio, t'es sur France Inter, t'es obligé de le faire. Elle est perdue le lendemain. C'est ça. C'est beaucoup de travail d'écrire tous les jours pour ceux qui ont des chroniques tous les jours. Après, c'est un métier super. Hein. Donc oui, effectivement, dans le point de vue rentabilité, c'est très rare que je réutilise une vanne d'actu pour l'intégrer au spectacle. En revanche... La mécanique. Ouais, c'est ça. La mécanique cérébrale, parce que c'est ça. C'est une gymnastique. Mmh. Ouais. Alors toujours dans la francophonie, donc Tania et Jason, vous c'est étiez... C'est ça, Alex Vizorak, s'il vous plaît, je me tégale, c'est vos réponses si qui comptent. Je vous le dirai après, en off. Mais les gens voudraient savoir aussi si vous êtes content. Vous êtes le truchement, c'est vous. Je suis très neutre en fait, je suis très suisse, oui, je suis dans mon rôle. C'est ça, aujourd'hui. je me reprends. Donc Tania et Jason, vous étiez tous les deux récemment à Montréal, qui est une ville où l'humour est une industrie énorme pour un aussi petit bassin de population en tout cas. Parlez-en-nous un petit peu, peut-être qu'est-ce que vous avez vu aussi d'intéressant, vos carrières qui se poursuivent et là-bas un peu. Je peux commencer ? Tout à fait. Je peux commencer. Moi, ce que je retiens, c'est que la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, c'est à Montréal. J'ai rencontré là-bas Alex Vizorek. C'est vrai. Alors, comment ça s'est passé ? Racontez un petit peu, alors, si c'est vrai. Mais en fait, chaque année, ils font une espèce de plateau de non-québécois. Ça s'appelle Maudit Français. Oui, les Maudits Français. Ouais. Et donc, il y avait des Belges et des Suisses en plus. Dans le cadre du gala ZooFest, je crois. Trois ans. Ouais. Dans le cadre du gala du festival ZooFest, je crois. Ça. D'accord. Et donc, on s'est rencontrés là avec Farid, qui était là aussi, Marina Rollman. Il a fallu aller au Québec, en fait, pour se rencontrer. Exactement. C'était la première rencontre. Et comme on est un peu des extraterrestres là-bas, on vit un peu ensemble. On était ensemble, ouais. Et donc, on est obligé de s'entendre. Une barrière qu'on n'aurait sans doute pas franchie à Paris. Et on s'est beaucoup marré. Je regrette.
C'est trop tard. Mais là, là-bas, l'humour est vraiment implanté dans la société. C'est vraiment, les humoristes, on leur demande leur avis. Et ils sont vraiment impliqués dans la vie sociétale, beaucoup plus qu'ici. Ici, un humoriste, quand il va donner son avis, on va lui dire « Mais fais des blagues, toi, il va donner ton avis. » C'est vraiment ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on est, on est les philosophes des temps modernes. C'est vrai qu'il y a la barbe, il y a un côté... C'est vrai. Et j'ai pas mes lunettes. Hein. Et j'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est vrai. Daniel, Montréal. Montréal, moi ce que j'ai... Alors moi déjà j'y suis restée moins longtemps, j'y suis restée qu'une semaine, mais j'ai quand même joué tous les soirs là-bas, donc j'ai un petit peu vu. Moi ce qui m'a vraiment marqué là-bas, c'est le respect du public qu'on n'a pas à Paris. C'est-à-dire... Le public est très respectueux à Montréal. Il est très éduqué. Il est très éduqué. Ils parlent pas, ils sont pas à Paris, on est des fois dans des salles où tout le monde parle, ils nous le respect meurt à partir du moment où ils franchissent le pas de la porte. À Montréal, les gens sont vraiment éduqués et ça, c'est vraiment un bonheur là-bas. Ouais, c'est un bonheur de jouer là-bas. Ouais, vraiment. Ça veut dire que ça siffle pas, que ça applaudit, c'est un public plus facile ou... Non, en fait, c'est juste que là-bas, quand il... C'est un public éduqué, c'est pas un public plus facile, c'est qu'il est éduqué, que l'humour là-bas, il connaît. En France, le stand-up, mine de rien, c'est pas encore si connu que ça. Pas du tout. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'appréhension en France, dans le sens où là-bas, les gens, quand ils sortent pour aller voir un spectacle, ils sortent avec déjà la certitude « je vais passer une bonne soirée ». Alors qu'en France, on a encore beaucoup dans le jugement de « ah tiens, je vais aller voir s'il est marrant ». Paris, ça. C'est pas comme ça que tu dois réagir. C'est quand tu vas voir un spectacle, c'est « ce soir, je vais rigoler ». Et encore, c'est quand tu sais ce qu'est le stand-up. Parce qu'il y a pas longtemps, quand j'ai dit que je faisais du stand-up, on m'a dit « ah ouais, t'es danseuse ». D'accord. Donc, c'est un problème vraiment... d'éducation, effectivement. Ouais. Non, mais c'est juste que là-bas, ils sont plus, c'est plus dans les mœurs. Ouais. On a ça depuis plus longtemps que nous, donc ça va venir. C'est juste que c'est pas encore là, mais ça va venir tout doucement. Et on essaye de faire en sorte que ça vienne. Alors du stand-up, bah, y en aura ce soir. En fait, c'est un peu la ligne du festival. Apparemment, apparemment, vous vous y bien pliez. Ouais, pas un costume, pas un ventriloque, pas un imitateur. Ça promet. Hein. Ça va être tellement bien. En tout cas, au moins ça va être drôle. Ouais. Au moins ça va être drôle. En tout cas, Grégoire Schurer, le président fondateur du festival. Était évidemment très très heureux de ce line-up de cette programmation ce soir en disant qu'à ses yeux c'est le meilleur gala stand-up du monde francophone en 2017. Ça vous met un peu la pression ? Non. Enfin moi personnellement. Je savais pas qu'il avait dit ça, moi j'apprends plein de choses. C'est des déclarations auprès de journalistes peut-être. Parce qu'il y avait des places qui restaient. Non mais ce qui est cool sur ce plateau c'est qu'on se connaît tous et c'est pas du semblant devant la caméra. Voilà, c'est vraiment, vous vous connaissez depuis longtemps, vous écumez les mêmes comedy clubs souvent, ouais, je crois. C'est Thomas et Wiesel qui ont fait la prog, Thomas et Fary qui ont fait la prog et ils ont vraiment invité que des gens qu'ils apprécient en dehors. On n'est pas juste des collègues, on est vraiment des gens qui... On fait des barbecues ensemble, si tu veux savoir. On va au bowling, on fait des trucs, quoi. On n'est pas juste des collègues de travail. Alors, sauf Alex qui... Là, il était déçu de ce truc. Là, je peux te dire. Alex, par contre, c'est un collègue. C'est des interprétations dignes d'un humoriste. Oui, t'as été déçu. Digne d'un humoriste, ouais. J'ai dit, j'essaye de monter de niveau, il me parle de bowling et de barbecue. T'as été déçu. Ouais, oh, cool, hein, pas commencer à te critiquer le barbecue, hein. Oh, un dimanche ensoleillé, tu dis pas une merguez, hein. Bon, en tout cas, le... Transition. Ouais, vas-y, pose une question. Le vieux cliché, ouais. C'est que les femmes sont pas aussi drôles que les hommes dans le stand-up, c'est un sale cliché, non? Eh bah, tu sais quoi? Eh bah, non, je te jure que cette question, faut pas la poser à une femme. Parce que c'est... Je la pose à tous les trois. Ouais, tu vois, parce que s'il la pose à une femme, ça sous-entend qu'il a pas compris encore. C'est-à-dire que j'ai pas compris quoi? En fait, on essaie juste de faire en sorte que... Il n'y a pas d'humoriste femme ou homme, il y a des humoristes. On fait le même travail et on va pas commencer à dire c'est une femme donc ou c'est un homme donc. Non. Moi, quand je présente une humoriste femme, je présente une humoriste. On va pas commencer à catégoriser les gens en fonction de leur origine, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Tu fais pas ça. C'est des gens, on est. Mais il y a un gens. Cliché parfois qui traîne un petit peu ou c'est plutôt oui. Alors ou c'est plutôt le public qui pense le public, même les journalistes. C'est pas encore tout le monde. Même les humoristes, c'est plusieurs fois que j'ai entendu qu'on était moins drôle qu'eux. Bah toi en l'occurrence oui, mais les autres de manière générale. Non, il y a même un humoriste connu dont je tairai le nom qui m'a dit l'année dernière que les femmes on avait c'est Alex Vizorek qu'on avait 30 ans de retard sur l'humour par rapport aux hommes. Voilà, c'était très précis, c'était vraiment 30. Alors j'ai recueilli donc une citation de Marina Rollman, que vous connaissez je pense puisqu'elle ouais, est dans le gala. C'est une humoriste femme. Voilà. Marina Rollman qui a déclaré dans un journal local récemment dans le journal Le Matin, à propos des femmes, à Montreux on ne sera pas beaucoup plus, dans les performeuses on est encore peu, la proportion est moindre.
Je pense qu'il y a une flemme des programmateurs. T'es un mec, tu invites des mecs et tu leur demandes de s'entourer des gens s'ils aiment bien pour un gala. C'est un cercle vicieux. C'est son opinion, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu, un peu dur de Marie. Et où on va? Non mais déjà, pourquoi pas Alex Izorek? C'est une fille. Non, en fait... Ah, là, il a été surpris. Là, on aura eu une émotion. En fait, le truc, c'est qu'effectivement, on est moins de femmes à faire de l'humour. Ce soir, c'est un gala stand-up et on est encore moins de femmes à faire du stand-up. Parce qu'il y en a encore beaucoup qui font du personnage. Donc, je pense que c'est aussi un peu à cause de ça. C'est statistique, hein. Il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes, de toute façon. Et mais là, on est 4 quand même ce soir. 4, hein. Ouais. Voilà. Moi, en fait, c'est très rare sur 12 personnes, je crois. Où on soit autant de femmes. À Liège, on n'était que 2. Ouais. Mais en fait, même ça, tu sais, si on demande à quelqu'un d'organiser un plateau avec des gens qu'il apprécie, même s'il n'y a que des hommes, faut pas dire. Moi, je déteste cette mentalité de dire ah non, par contre, il faut des femmes. C'est pas comme ça. Il faut des humoristes. Non, il faut passer par là. Parce qu'à un moment. Je suis d'accord, mais il faut pas prendre une femme juste pour prendre une femme. Alors, moi, anti-quota, elle est plutôt favorable à des petits quotas? Ou pas. Moi, si j'organise un gala, je vais inviter Tania, pas parce que c'est une femme, je vais l'inviter parce que j'aime ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et c'est juste pour ça que je vais l'inviter, pas en me disant ah putain, il me faut une femme sur mon gala parce que sinon. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je trouve que la discrimination positive, à un moment, il faut y passer, même si c'est. Ça peut paraître idiot intellectuellement comme démarche. Mm-hmm. À un moment, de dire qu'il y a un tiers des gens sur scène, ce soit des femmes, c'est quand même. Ça me semble être. Ça devrait ne pas être un problème. Je suis d'accord. Et à un moment, c'est vrai que c'est. Quand on... Maintenant, j'ai le réflexe. C'est-à-dire que quand je vois sur une photo 10 gars, je le vois. Ça me saute aux yeux. Putain, oui, ça, ça sent la couille. Tu te dis merde. Mm. Et en fait, peut-être il y a 5-6 ans, j'avais pas ce réflexe. Mm. Et pareil, quand t'as que des blancs. Il y a que des blancs, c'est pas représentatif. Mais c'est ça en fait, parce que là on oublie qu'on est juste des gens, on s'en fout de la couleur, du sexe, du... C'est pas ça, quand t'es sur scène, t'es quelqu'un, c'est tout, tu vois. Par contre, si tu commences à me dire, sur un plateau, il y a que des hommes, des femmes et un chimpanzé, là faut préciser que c'est un chimpanzé. Parce qu'après, non, parce qu'après les gens... Ouais, c'est discriminé. Ah, mais discrimination sur les chimpanzés, on peut quand même. Enfin, on peut, hein. On peut, hein. Non, mais il y a une responsabilité, c'est que le gala passe en télé, que les jeunes suisses qui vont le regarder se disent pas « Ah merde, quand tu montes sur scène pour faire de l'humour, obligatoirement t'es un mec ». Donc il y a une responsabilité de la part de Grégoire de varier les gens sur scène. Alors, Jason, un article, un portrait de Nanawel Madani dans Paris Match, qui date un peu, c'était en 2014, expliquait que lorsqu'elle a rejoint le Jamel Comedy Club, la troupe, elle restait 6 mois. Des mecs lui disaient qu'elle était pas drôle et je cite, de se contenter de 3 minutes pour elle et 10 pour eux. Elle a trouvé qu'il y avait beaucoup d'ego et de compétition, a-t-elle ajouté. De ton expérience dans la troupe du JCC? Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai vécu mon JCC. On était une équipe très homogène et il n'y avait pas du tout ça. Mais j'étais dans une très bonne génération où il y avait des femmes. Et franchement, mais encore une fois, nous dans la troupe, quand j'y étais, il n'y avait pas d'hommes ou de femmes, il y avait des potes. Et moi, il y a Fadili Camara avec qui je travaille beaucoup, qui est une femme. Et, ah oui, c'est une femme. C'est une femme. Oui, oui, oui. Et franchement, on a fait 2 ans de tournée ensemble, et je crois qu'elle n'a jamais ressenti cet écart, parce qu'elle était avec nous en fait. Et elle n'était pas une femme avec nous, elle était avec nous, tu vois. Et. Plus largement, en fait, un des sujets chauds actuellement, bah, c'est le harcèlement contre les femmes. Est-ce que vous avez vu des choses ou est-ce qu'on vous a rapporté des faits? Est-ce que c'est une question assez importante quand même dans le milieu en ce moment? Je suis content qu'on me pose la question parce que je vais faire une grosse relation. Attention parce que... Tu vas faire ton balance ton poids. Tu as du buzz. Parfait. Évidemment que non, et moi j'ai été à Montréal 2 fois, donc si c'est ça ta question, si c'est là que tu veux en arriver. Non, non, mais c'est plus large, ça peut être en France, ça peut être en Belgique, voilà. Hein. Si, je crois qu'il n'y a pas de milieu qui est épargné, mm-hmm. Donc je pense que tu vas chez les avocats, chez les médecins, chez les profs d'UNIF, chez les caissières de supermarché. C'est ça. Alors c'est parce que les milieux exposés, on a envie de faire tomber des têtes ou des noms, et c'est très bien d'ailleurs. Moi j'ai fait une chronique sur France Inter pour dire que c'était hyper important, que s'il fallait même passer par des boulettes ou des problèmes, le fait que la peur elle change de sens, c'était vachement bien. Alors. En ce qui concerne le harcèlement dans le milieu, Tania est peut-être mieux placée que... Justement, vous faites aussi des... Vous faites aussi des capsules vidéo Arrêtez tout sur... bon, c'est pas vraiment le harcèlement, mais c'est sur la place de Non, ça parle des magazines féminins où justement, je... Mm-hmm.
Je parle de tout ce qu'ils mettent dedans, puisque ces magazines-là se disent féministes et en fait, ils ne le sont pas du tout. Ils vont demander aux femmes de... En fait, tout le temps, il faut qu'on maigrisse toute l'année. On a les dernières techniques pour se faire enlever le gras, on a les dernières techniques pour s'épiler. On a eu le gros article aussi qui dit que c'est quand même mieux si tu gagnes moins que ton mec parce que sinon il est pas content. Wow. Le titre c'était attention, une augmentation peut ruiner votre vie. C'était ça le titre. Oh. Et donc voilà, donc moi je fais des vidéos sur ces magazines-là parce que le problème c'est que ces magazines-là c'est des jeunes femmes qui les lisent, c'est des adolescentes et donc elles grandissent avec ces idées-là comme moi je l'ai fait d'ailleurs. Avant j'achetais ces magazines. Et je me suis rendu compte que c'était pas normal de lire tout ça, donc j'ai voulu faire des vidéos sur ça pour que les jeunes femmes aujourd'hui se rendent compte qu'effectivement c'est pas normal et qu'elles comprennent. Et sur la question du harcèlement, c'est quelque chose auquel vous pensez en fait, vu que l'humoriste c'est votre métier ? Mais en fait, j'y pense pas en tant qu'humoriste, j'y pense en tant que femme parce que j'habite à Paris et que tous les soirs, quand je rentre toute seule, j'ai peur de me faire agresser par quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que je rentre dans la rue, il y a des gars qui sont en train de boire des verres en groupe. Et moi, souvent, je suis toute seule parce qu'on joue le soir, en fait. Donc, des fois, quand on joue au Paname à 22h30 ou 23h45, je rentre pas chez moi avant 1h ou 2h du matin. Et donc, des fois, il y a des groupes de gars qui sont en train de boire de l'alcool. Donc, forcément, je me fais emmerder. Donc, j'y pense pas en tant qu'humoriste, j'y pense en tant que femme. D'accord. Voilà. Tout ce truc, toute cette polémique, tout ce truc pour moi, il faut que ça soit utile et ça ne doit pas juste servir à balancer des gens et à traîner des gens dans la boue. Pour moi, il faut que ça soit utile pour la suite. Ouais. C'est-à-dire ? Bah parce que, en fait, il faut juste que les gens prennent conscience que moi, je m'en fous qu'un tel ou un tel ou un tel soit affiché sur la place publique et que sa vie elle est foutue parce que c'est pas ça le but. Non. C'est pas de tuer médiatiquement des gens. Vraiment qu'il y a une prise de conscience des hommes et des femmes collective. Pour que ça ne se passe plus en fait. Parce que si c'est pas utile, ça sert à rien. Et si c'est juste pour détruire des vies de gens qui ont fait des trucs dégueulasses, je suis pas contre hein, parce que ça c'est mérité. Mais si ça s'arrête là, ça sert à rien du tout. Et le contexte un peu actuel où on balance ton porc, justement, comme le dit le hashtag, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que il faut. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre, par exemple ? Mais en fait, c'est juste une histoire d'éducation des mentalités. C'est faut dire aux hommes et aux petits garçons, ça tu ne peux pas faire. Il faut dire aux femmes, ça tu ne peux pas laisser faire. Et ça va dans les deux sens. Ou même dire à une femme, ça tu ne peux pas faire. Et c'est juste une histoire de respect, en fait, tu vois. C'est juste ça. Il faut juste réapprendre aux gens à se respecter. Et c'est même pas homme ou femme, c'est à se respecter. Et à l'échelle d'un humoriste, vu que c'est tous les trois votre métier, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, il y a par exemple dans un autre registre, il y a récemment des personnalités du web et des humoristes qui ont mené une campagne pour lever des fonds pour les Rohingyas. Vous pensez que c'est aussi la responsabilité de l'humoriste de s'engager dans des combats autres, dans des combats de grande envergure. Bon, les Rohingyas, c'est l'éducation sur le respect des femmes, c'est deux sujets très différents, mais c'est des sujets de société les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que des blagues? Tu nous emmènes on est chez Tadei là. Et c'est pas inintéressant hein, comme débat. Ça c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que toi t'as versé au compte pour les Rohingyas? Est-ce que les gens l'ont fait? Mais par contre l'idée que la chance qu'on peut avoir d'être un brin exposé nous donne l'occasion de pouvoir. Je sais même pas si ça influe vraiment sur les gens. Je pense personnellement que c'est quand tu fais ton métier, que tu t'engages en faisant ton métier, que c'est plus fort. Donc d'écrire un sketch vraiment sur les Rohingyas pour les expliquer ou de faire une capsule et être drôle parce que c'est notre taf. Là, je vais faire mon métier. Si toi, tu fais un documentaire, tu pars là-bas, tu montres à quel point c'est pas bien, tu fais ton métier machin. Mais de dire bonjour, je suis Alex Vizorek, donner aux Rohingyas. Là, je suis pas toujours convaincu de l'efficacité du truc, mais après, c'est, si je peux le faire, et je pense qu'il faut cibler ses choix aussi, parce qu'on est beaucoup demandé, et toutes les causes, elles sont, tu vois. On a un jour dit, on va faire de la natation contre le psoriasis. Ah, pardon. Et en soi, psoriasis, c'est pas chouette. Je suis contre le psoriasis de manière générale. Mais l'idée d'aller faire des longueurs en piscine
pour le compte l'obsolescence. Je voyais pas super bien le lien. Pour le coup, j'ai pas le temps, donc j'ai pas pu aller, mais ça m'aurait fait un peu de natation. Mais pour te dire à quel point c'est pas évident les choix à faire, et je pense que c'est toujours plus intéressant de prendre les choses qui te touchent et qui tiennent à cœur et de les mettre dans ton travail. Non, mais des fois, on est appelé pour effectivement faire des soirées aussi en juin. C'est autre chose, je suis d'accord. Je sais plus si t'étais là, il y avait une soirée caritative pour les enfants malades. Mm-hmm. Donc il y a des choses comme ça où tous les fonds vont pour eux. Après, mais moi, c'est pareil, c'est pas en tant qu'humoriste, c'est en tant que femme. Je viens de rentrer bénévole dans une association. Mais voilà, c'est la Fondation des Femmes, donc c'est encore en lien avec les femmes, parce que c'est vrai qu'on se bat pour des choses qui nous touchent. Et... Non, mais ça, comme il disait, ça concerne pas les humoristes. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est mais vous avez quand même femmes, une certaine visibilité. On a une tribune, on est vous avez des gens qui... Il y a toujours une part des fans qui sont tellement fans, qui sont prêts à être influencés. Regarde-nous, qui c'est qui va nous suivre? Oui, non. Les gens, ils nous aiment bien. Et d'accord. Paris, oui, mais... Alors, et puis, tu sais, ça dépend des échelles d'une notoriété, peut-être, mais... Ou pas. C'est plus que... Moi, je pense que si t'es porté par quelque chose, si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. C'est juste ça. Mais il faut pas faire quelque chose pour des mauvaises raisons. Tu vois ce que je veux dire pour... Mais c'est très couillu, hein, ce que Marcy a fait. Si ah, mais oui, mais c'est... Et c'est très bien. C'était super, bien sûr. C'est extraordinaire. Parce qu'il le fait très peu. Enfin, il le fait très peu, je pense que sa femme aide beaucoup d'assos, je sais qu'il est impliqué dans plein de trucs, mais au moment de prendre la parole et de dire « regardez ça, j'ai envie de dire ». En passant, on est des humoristes. Hein. Ça tape fort. Enfin, en fait, je pense que... je pense mais que on peut avoir un débat sujet sérieux entre humoristes ou... ce qui est bien... Okay. Non, c'est pas... Attendez, je voudrais... Ah. Non, mais c'est en fait, c'est une question, après je vous laisse rebondir, c'est est-ce qu'un humoriste... Plus que d'être drôle, parfois on peut le voir d'une autre manière, sur d'autres registres, apporter quelque chose. Pas qu'un humoriste, on est des gens, mm-hmm. On a des émotions, on a des combats qu'on mène, des trucs qui nous touchent. Et après, ça dépasse l'humour. Moi, quand je vois des trucs, je suis touché, j'ai envie, tu vois. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Déjà, il y a quelques temps, vous aviez sur les réseaux sociaux, vous aviez indiqué que chacun pouvait vous envoyer une cause et que vous partageriez tout sur votre réseau. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit. Plein de messages d'associations qui nous disent s'il te plaît, fais un peu de pub, machin, mais on peut pas le faire pour tous parce que nos réseaux sociaux c'est un moyen de communication pour notre travail. Et si je commence à partager tout ce qu'on me demande de partager, ben mon travail va en pâtir et ça servira plus à rien. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une journée j'ai dit bon, écoutez, envoyez-moi toutes vos demandes de partage d'associations, mm-hmm. Et un dimanche j'ai partagé tout ce qu'on m'a demandé. Donc ça a duré c'était sur une plage de 4 heures, un truc comme ça. Pendant 4 heures, j'ai partagé. Et avec quoi, j'avais genre 200 partages que j'ai fait, où j'ai partagé plein d'associations. Et après, c'est aux gens de faire la démarche, de cliquer, de regarder, de machin. Et je peux pas faire grand chose de plus. Je peux pas partager à chaque fois qu'on me demande. Ça a servi parce que je crois que le club néo-nazi de Vichy a eu de nouveaux alertes. Tu rigoles, il y a des gens qui m'ont mis des trucs pièges. Je te jure, j'ai eu des trucs pièges, c'est pour plus. Tu sais, comme t'en as plein, tu partages avec des gens, tu regardes pas. J'ai checké des trucs. Waouh! Je défends pas ça, moi, en fait. Ça, comme quoi, par exemple. Il y a Farid qui est pas content. Il y a le patron là qui voilà, c'est. Eh ben de toute façon on arrive au bout de l'interview. Donc merci beaucoup à tous les trois. Ben, merci à toi. Et très bon gala ce soir.